vaches, bien sûr. Parce que j'ai eu des naissances, j'en ai eu qui ont pondu. Il y en a qui ont fait des éclairs. Donc j'ai enlevé une semaine et j'ai remis un œuf. Donc on verra ça dans la vidéo. Alors on va commencer dans l'ordre. Bon, on va peut-être faire. Alors on va faire ceux-là en bas. Voilà. Alors ici là, petite couple. Ici nous ont pondu 4 œufs. 4 œufs. Voilà. J'avais mis un nid comme les autres ici là. J'avais mis un nid comme cela. Elle n'a pas voulu faire son nid, donc elle a voulu faire le nid à terre. Donc j'ai enlevé le nid et je l'ai mis dans un petit truc en osier là. Puis elle a fait 4 œufs dedans. Impeccable. Maintenant je ne saurais pas vous dire s'ils sont féconds ou pas, faut que j'attende un peu 7 jours. Donc voilà. Ici. Hop. Ici les fins. Alors, est-ce qu'ils ont fait des bébés? Eh ben non, il a fait le nid. Mais rien. Donc on attend. Voilà. Ici là, c'est ce que je vous disais en intro. Elle avait fait 5 œufs. Donc j'ai enlevé le nid, j'ai enlevé les œufs. J'ai attendu une semaine. Au bout d'une semaine, ils n'étaient pas éclos, ils n'étaient pas féconds, donc je les ai enlevés. J'ai attendu une semaine après. Là, je remets le nid. Elle a toujours rien fait, c'est normal, j'ai le temps. Ici là, on va voir. Bah, on est ici là, on va rester sur elle. Hein. Alors ici, elle, c'est une excellente maman. Excellente maman. Elle nous avait fait 5 œufs. Hop, elle nous avait fait 5 œufs. 4 de vivants. Donc ici là, elle a pâté, hein, comme je vous ai fait voir sur la prochaine vidéo, je crois. Et ici là, il y a tous ces petits. Donc, c'est 4 petits bébés, on va un peu les réveiller. Hein. Oh là là, regardez. Ici, là, elle a bien nourri, tu sais. C'est ce que je vous ai dit. Ici, là, elle les a très bien nourris, ces oiseaux. Donc, ouais, ici, elle les a bien nourris. C'est nickel chrome. Je suis fier. Hop, on va remettre, hein, on va pas trop les déranger. Ici, coupe de blanc. Elle nous a fait 4 œufs. D'après ce que j'ai miré, il y en aurait 3 sur 4. C'est déjà pas mal. Je suis très, très bien. Ici, les fameux Radzaver. Alors ici, les Radzaver, elle m'a fait 6 œufs. Un qu'elle avait tombé à terre, cassé. Puis, elle en avait fait 4. Donc, elle en avait fait 4. Et un que je sais pas quand est-ce qu'elle l'avait fait. Donc, voilà. Et bien sûr, les 4. Alors, ici, on va regarder hein, si elle veut bien s'enlever du nid parce que elle m'attaque. Allez, mère. C'est une très bonne maman aussi. Voilà. Hop. Vous voyez ici les 4 petits bébés là. Hop. Alors regardez, on va regarder un peu. Moi je regarde un peu tous les jours. Voilà. Si. Ils sont tous. Vivant. Vous voyez? Donc, à mon avis, j'aurai 3 foncés et un clair. Mais je ne sais pas quelle couleur qui sera. Donc, voilà. Ici, là. Alors, eux, ils étaient longs à démarrer. Mais elle m'a fait 4 œufs. Là, elle est en train de les couver. Hop. Elle est encore dedans. Vous voyez, ici, ils sont tellement bien qu'ils ne veulent pas partir de leur nid. Hein. Ici, là. Alors, j'avais un petit problème ici. Parce que j'ai acheté une cage double, très grande, 90 cm. Mais j'avais mis mes couples de canaris normales là. Et ici, là, j'avais mis mes frisés, qu'on ira voir tout à l'heure. Ils se voyaient, donc ils faisaient pas leur nid. Donc, ce que j'ai fait, j'ai enlevé, je les ai mis dans une autre cage. J'ai attendu. Là, ils ont fait leur nid. Alors, je sais même pas si c'est fait. Un œuf. Non, ils n'ont pas fait d'œuf. Mais ils ont fait leur nid. C'est le principal. Voilà. Hop. Et j'ai le temps. Je ne suis pas pressé. Voilà. Puis maintenant, j'avais racheté des couples. J'avais racheté parce que, comme vous le voyez bien. Ah,
Monsieur le mâle qu'il est là, il était dans la volière ronde, enfin, dans la cage ronde pour une vidéo que ça a fait polémique. Donc, il s'est retrouvé dans la volière qui est là. Maintenant, j'ai trouvé une femelle pour lui. Donc, il se retrouve dans une cage là avec un nid. Et ici, j'ai mis, j'ai fait en fait tout noir pour pas qu'il se voyait. Bon, bien sûr, à la caméra, ça rend pas pareil parce qu'ils ont de la clarté et que les caméras, ça change un petit peu. Mais voilà. Bon, ici, ici, lui, il prend son petit bain. Hein, c'est la femelle. Donc, voilà. Ici, c'est parti. C'est lui qui chante. Dedans, alors, on a les colombes à madame qui sont prêts à faire leur nid, mais il n'y a rien dedans non plus. Ici, le petit moineau du Japon, il y avait deux femelles, il les a tuées. On ne sait pas pourquoi, mais c'est pas très grave, ça. Hein. Alors, ici, voilà, nos fameux canaris frisés. Ils sont de retour ici, ils sont ici. Parce que là-bas, ils voulaient pas faire leur nid, tout ça. Et ici, je vois qu'ils s'amusent un peu avec la charpie. Ici, le nid n'est toujours pas fait. Donc voilà, ici, j'ai encore une cage de libre. Ici, j'ai mes câbles bleus. Donc, je suis très fier, franchement. Je sais pas si je les embête un petit peu, est-ce qu'ils vont sortir de leur nid. Ah, un seul. Ça, c'est la femelle. Allez, le petit mâle, sors un petit peu. Voilà, le mâle. Ici, on va regarder où ça en est. Parce que je les embête vraiment pas. Voilà. Donc ici, à mon avis, ils sont un, deux, à peu près trois fécondes normalement. Trois, quatre fécondés, normalement. Mais je les embête surtout pas. Ceux-là... Je fais pas comme les canaris, voilà, mais ils vont très bien. Le mâle a bien pris ses couleurs et tout ça là, il est beau. Oui, ici j'ai oublié de vous faire voir un plat. Ici j'avais retrouvé un petit couple d'orangers porteur de noir, donc on verra bien si ça marche ou pas. Mais à mon avis, ils prennent le charpie, il n'y a rien dans le nid, donc ici là, je ici, là, normalement, ça devrait changer parce que ici, normalement, c'est une cage l'envol pour les jeunes. Pour l'instant, je les laisse dedans. Je ferai ici, là, je vais acheter quatre cages comme celle-ci. Celle-là, je la mettrai derrière et faire toute une lignée avec des séparations pour pas qu'ils se voient. Comme ça, c'est mieux. Donc, voilà. Petit tour, hein. Vite fait. Tout le monde va bien. Le chauffage, il est encore là. Parce qu'il fait ferrer dans le nord, encore une fois. Donc, ben, on le laisse là. Hein. Voilà. Hop. Pour ceux qui le demandent, donc, dehors, ici, là, il y aura une immense volière du même style que celle-là. Avec, ici, là, je vais mettre un... Ici, je vais faire un sas. Fermé. Avec une grille. Ou que les oiseaux pourront aller de l'intérieur... à l'extérieur. Voilà. Donc, la vidéo se termine. Je vous remercie de m'avoir regardé. Abonnez-vous, likez si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait très grand plaisir. Un grand merci et un bon dimanche à vous. Bon courage!